train de remettre le plaid. Voilà, ça fait mieux, bonjour. Nous sommes samedi, nouveau vlog, la journée est bien avancée. Il doit être 13h30, peut-être même 14h. On a décidé aujourd'hui d'aller à Chartres. J'aime bien aller à Chartres. Bon, il fait un temps pourri, mais c'est pas grave, c'est histoire de se balader. Idéalement, j'aimerais bien aller chez Sepho rapido, je vais pas lui imposer ça. Je viens de péter mon crayon à lèvres qui fait rouge à lèvres, contour des lèvres, donc j'aimerais bien prendre ça. La recette que je vous ai dit que j'allais faire, ça sera dans ce vlog, mais demain, ça va être un vlog sur deux jours. Les linguines, queue de crevettes, ça vaut le coup. Et Eric est en train de se préparer. Décidément, à chaque fois, Eric se prépare au dernier moment. C'est ça le truc. C'est pas qu'il prenne plus de temps que moi, c'est que... il retarde un max. Est-ce que vous voyez, j'ai essayé de faire un petit mouvement quand même à montrer la coiffeuse dans mes cheveux wavy. Comme j'aime pas trop sur moi les wavy, j'y suis allée soft. Mais vu que ma longueur commence à être pas mal, franchement, à ce rythme-là, si je les coupe plus et si j'en prends soin, cet été, ils sont peut-être là. C'est cool, hein. Franchement, ça donne un peu de densité, j'ai envie de vous dire. Chose qui me manque, volume. Je suis sûre que vous êtes contents. On est arrivé dans le parking souterrain. C'est bien d'habitude, ils mettent de la musique. Ah, peut-être ici. Non. Ah bah d'accord, il y a une manifestation. Super. J'ai fait mon petit arrêt chez Sephora. J'ai été tellement raisonnable. Il y avait un monde de fou. J'ai pris que ce pourquoi j'étais venue chercher. Je vous le montrerai hein, à la maison. C'est le meilleur qu'il y a sur le marché en contour et presque rouge à lèvres. Il caille. Eric, lui, il est parti, je le retrouve pas. Parce qu'il a pas voulu aller chez Sephora, je le comprends. C'est très étrange l'ambiance en fait. J'ai l'impression qu'il y a moins de terrasses de café. Tu vois, les gens qui mangent des crêpes comme ça, ça me rend bien beau. J'aimerais bien prendre une petite. Alors le masque est obligatoire dans le cœur de ville. Je connais pas cette boutique craft. Je vais faire un petit tour. Au revoir. Dans les toilettes du café avec mon téléphone et il est super original. Alors je vous ai pas vlogué vraiment parce qu'il y a la musique à fond. Je me suis pris une petite crêpe qui va arriver, je vais vous montrer ça après. Et vu un peu la crêpe gourmande, j'aime bien quand c'est comme ça entre chez nous, ça commence à faire un peu sombre. Nous sommes rentrés. Donc on est vraiment allé pour se balader, on a mangé la petite crêpe, c'était pas prévu. Et je vous montre ce que j'ai pris, c'est vraiment ce qui se fait de mieux, hein. Comme je vous ai dit, le crayon contour des lèvres, mais qui fait également, on va dire, presque rouge à lèvres, parce que comme il le dit, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, il vient donc... redessiner et redimensionner tes lèvres. Donc celui-ci, voilà, comme ça, il se présente. Et je vous dis, je vous ferai la petite démo demain. Ça sera plus simple. Enfin, quand je dis demain, de toute façon, c'est dans cette vidéo. Mais vu qu'il est déjà 7h moins le quart, ça veut dire tu veux jouer avec moi. J'adore quand il fait ça. Et voilà, donc nous, on va faire ce qu'on a à faire. Je pense qu'on va pas manger tout de suite, hein, parce que la crêpe, elle est un peu là. Hop là! Coucou, nous sommes donc le lendemain. Je suis en train de tout installer pour commencer la recette. Pendant que certaines choses chaufferont, c'est dur à dire, je vais appliquer le rouge à lèvres que j'ai acheté hier. Parce que là, regardez, on est une limite de chez New. En plus, j'ai mis du fond de teint dessus. Ça a presque effacé mes lèvres. Mais voilà l'idée. Okay. On va allumer là. Ouais, au fur et à mesure, ce sera mieux. Oh là là, je me suis levée à 9h30 parce que réveillée une première fois à 5h50. Donc quand ça se passe comme ça, bah, je me recouche. Mais je me suis réveillée bien tard. Nous allons essayer ensemble le contour des lèvres qui fait également... on peut remplir ses lèvres vu qu'il est hydratant. J'ai l'impression que là, la lumière, je suis désolée, mais je suis obligée d'allumer là vu que, comme je vous ai déjà dit, au niveau des travaux, on est obligé de fermer le volet. Là au moins pour 10 jours avant qu'on puisse les rouvrir tant que les travaux sont pas faits. Pour tout vous dire... Ah bah attends, non. Je vais déjà faire chauffer la casserole d'eau. Ah, je vous en ai parlé de cette recette, hein, mais les yeux fermés. Alors après, bah, je vous montrerai moi les pâtes que j'utilise, mais évidemment ça fonctionne avec toutes les pâtes. Mais en ce moment on est en train de se faire les pâtes... Oh, merde, je sais plus. Complète. Ouais, bon, je sais pas si c'est terrible pour vous. De toute façon, je ferai d'autres essais de cadrage. J'ai des cernes. Ça, c'est quand je dors beaucoup. Voilà.
Alors, moi je vais me mettre comme ça. Ah mais attends, je suis con, j'aurais dû vous mettre là. Ouais, je vais vous mettre en face. Ouais, bon. Ok, c'est parti. Les boutons. C'est hormonal, hein. Alors là... Attends, c'est génial. C'est vraiment top parce que c'est... C'est vraiment la couleur des lèvres, quoi. Très agréable. En fait, il glisse. Tu sens qu'il est hydratant. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est qu'il se consomme. Consume très vite. Ok. J'ai une petite asymétrie, moi, toujours. Vous me demandez pourquoi tu dépasses et tout. Parce que j'ai une asymétrie, donc il faut que je récupère. C'est à ce niveau-là. Voilà, donc hop. L'ourlet. Et donc là, je viens remplir ma lèvre. Tu as le rouge à lèvres, la même teinte, mais bon, j'en ai des un peu similaires, donc non. Et là, je n'ai aucun rouge à lèvres, c'est juste le crayon qui a fait l'ensemble de mes lèvres. Je trouve le résultat tellement joli, alors rien ne vous empêche, et moi je le ferai aussi, de rajouter une couleur si tu veux intensifier la couleur de tes lèvres, hein, un petit rose tendre ou même rouge, hein, ça passe. Revenons à notre recette. Je fais chauffer l'eau pour décongeler, comme je vous ai dit, les queues de crevettes. Il va me falloir également plusieurs poêles parce qu'à un moment donné, je vais saisir les queues de crevettes avec la petite sauce. Et en parallèle, les pâtes continueront à chauffer à côté. Après, je referai une petite tambouille, tout ça, tout ça. Je sors le curry, c'est facultatif. Moi, j'aime bien. Je suis dégoûtée, c'est le drame. J'avais acheté la crème fleurette. J'avais dit à Eric de ne pas l'ouvrir et il a dû l'utiliser pour il y a quelques jours. Et je sais très bien que ce genre de truc, voilà, à consommer dans les 3 jours. Il dit 13, en plus tout est fermé, on est dimanche. Non mais voilà quoi. Et ben je ne ferai pas la recette. Ben non, on ne va pas faire une recette de pâtes. Ça c'est le liant, donc sans le liant, vous sentez comment je monte là? Je suis désolée. Je vais devoir reporter cette recette. C'est un flop. Enfin, c'est pas un flop, mais vous l'aurez compris. Ah, je suis déçue, là. Mais je veux pas vous la faire, ça ne rimera à rien. Putain. Réfléchis. Réfléchis. Non, non, non. Je vous montre quand même. C'est les... Elle a utilisé les linguines complètes qu'on a déjà goûtées. Qu'on a validé, qui sont hyper bonnes. Et pourquoi elles sont hyper bonnes? Bah, c'est quand tu les travailles avec la petite fleurette, avec tout ça. D'où l'utilité et le fait que ça ne rimerait à rien si je ne le mettais pas. Vous voyez la fille qui se justifie? Il est déjà 13h, j'étais en train de m'avancer sur le vlog. Je vais peut-être manger quand même. J'ai hyper mal. J'ai hyper mal là en fait. Ça me fait. C'est hormonal. Hein. C'est ma pilule, c'est tout ça. Et je vous le dis, hein, je vous avais dit, je vais l'arrêter, tout ça, triptan. J'ai pas le courage. J'ai pas le courage parce que j'en ai parlé avec la pharmacienne quand j'étais chercher un renouvellement. Et je lui ai dit oui, il est probable que je passe à des triptans, je dois aller voir le médecin et tout. Et en fait, après ce qu'elle m'a dit, elle m'a un peu fait flipper avec tous les effets indésirables et secondaires. C'est pas anodin comme truc. Du coup, je sais plus. Mais voilà, ça devient... C'est hyper douloureux. J'en ai que deux. Mais c'est comme si c'était des coups dans le visage. J'ai hyper mal. Je sens que je suis complètement déglingose, déréglée. Il faut que je trouve une solution. Je pense que le mieux, c'est de me rapprocher vraiment de d'un gynéco, d'un spécialiste. Mais c'est tellement galère. C'est galère. Tu n'as pas de rendez-vous comme ça. C'est une catastrophe d'avoir des rendez-vous. Alors, moi, j'avais eu problème avec les dents. Bon, ça y est, ça a été résolu. Mais ça m'a pris combien? Ça m'a pris 3 mois. J'étais 3 mois sous antibiotiques. Genre, c'est pas sérieux. C'est pas bien, ça. Des antibiotiques. Alors, c'était jamais la même chose. C'était, je suis passée par tous les antibiotiques possibles. Mais 3 mois d'antibiotiques pour ma dent parce que je n'avais pas de rendez-vous. Il y a un problème. Et là, quand tu veux, pour des urgences gynéco et tout, c'est galère-lande. Bref, tout ça pour vous dire que je descends manger, là ça me fait super mal, c'est pénible, je suis à cran, c'est les hormones. Voilà, ça va passer aussi. Allez go, mangez, vamos. Oui, c'est ton père qui est devant la télé qui mange aussi. On le reconnaît, je vous dis, EHPAD. Bah, c'est pour qui la télé, là? Peut-être aussi pour ça, qui finalement... Ah, super. Les... Tu permets que je baisse quand même. Qui va vraiment diriger le pays, mais si c'est pas moi, devenir ministre, ce n'est pas grave.
Voilà, ça c'est comme ça, c'est bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été à cran comme ça. Je suis insupportable. Tout m'agace. Tout m'agace. Faut que je redescende. Bon, en général, c'est le genre de truc qui me dure une journée. Mais là, je suis dans la phase. T'as pas intérêt de me chauffer, en fait. Un peu d'endive. Voilà. Bon, c'est sympa. Hein. Petite assiette. Hop. Voilà, c'est mieux. Je me suis rajouté un petit sweat. Parce que c'est confort. Et je suis en train de checker à côté. Forcément, je peux pas vous montrer. Parce que vous savez le soin que j'apporte à mes box, là c'est pour février, comme j'ai tout. Comment je vais les présenter, comment je vais faire pour que ça ressorte mieux. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. J'ai hâte que vous receviez et que vous découvriez ceux qui ne la commandent pas. Bon, même quand je vais révéler tout en vidéo, ce sera trop tard pour la commander puisque c'est jusqu'au 10 février. Elle est trop jolie, très très belle. Là on attend la fille d'Eric qui va passer, je pense, pour faire un coucou, boire un petit café. C'est pour ça que je m'avance un max maintenant. Et vu que j'ai la migraineuse qui repart puissance 4 voire 6, hein, et ben. Ah bah tu vas aller. Et là voilà. Donc bon bah j'ai pas le temps. Salut Diane. Comment vas-tu? Ça va? Tu l'as vu? Forcé. Et à un moment la vitre a explosé. Et voilà. Moi, par contre, je suis pas sûre d'avoir mon masque. Si. Bon en fait, on a voulu aller. Attends, je vais me mettre ça. On va se faire un petit. Parce que. Chez McDo, il faut savoir qu'il y a des bons chocolats chauds avec chantilly et tout. Donc on va aller se faire un petit, avec sa fille, chocolat chaud. Merci bien. C'est super bon en fait. Là, c'est limite si j'ai envie de me mettre en t-shirt. Tu l'as privatisé ou quoi là, le truc? Les gens ils sont bizarres, ils devraient profiter du... Non mais c'est clair. Non, mais regardez ce soleil. Et là ça filme. C'est pour montrer comment elles rendent. Ben, tu vois le rouge ou pas? Je vois rien. Et encore j'ai juste... Non mais pas de cyprès, j'ai plein de boutons. J'ai juste un legging, donc vous imaginez avec un jean, c'est mort. C'est pas possible. Voilà, look of the day. Si on m'avait dit qu'aujourd'hui je mettrais les lunettes de soleil. C'est hyper agréable. Ah ouais, attends, bah tiens. Pourtant, 7 degrés. 7 degrés, mais le ressenti, il fait bon. Après, on est couvert. Après, je suis couverte à fond. Température moins 13 degrés, ressenti 34. C'est chacun. Ah, c'est des ressentis, hein. C'est des ressentis. C'est mon ressenti à moi. Bon, après, j'ai un peu mal au crâne, donc bon. C'est un peu biaisé. Il y a de la crème. Ah mais... non, je pense que. Elle a fondu déjà. Ah ouais, mais c'est abusé là. Bah, de la vraie, tu vois, dense. Et c'est fini, ça. On est obligé de mettre un couvercle. Mais tu pourras de. Non, mais c'est bon. Non. Mais t'inquiète, j'en ai pour 30 secondes. Merci, Diane. Je vais rentrer et j'en profite pour. Je te vois derrière, tu vas dire une connerie, non? Non. Pour terminer ce vlog, c'est quoi le truc rouge là qu'on voit ici? Tu veux que je dise un truc? Ah, c'est ton manteau. Est-ce que les gens ont apprécié le spectacle des chaussettes? Ils t'en ont parlé? Oui. Et alors, ça... Bah, à refaire, Ouais. Et je peux peut-être faire un teaser. Vas-y. Non, stop. Allez, bisous, ciao.